Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Web TV des Louves, votre émission du jeudi qui regroupe l'actualité des Louves, les matchs et les résultats ainsi que leurs meilleurs moments. Dans ce nouveau numéro de l'émission, nous reviendrons sur la victoire des Louves qui a accueilli l'AS Monaco samedi dernier au Palais Omnisports Joseph Claudel et ainsi que les résultats des autres équipes du club. Cette semaine, nous nous intéresserons également à l'un des membres du staff. Il s'agit de Denis Merchez, manager général du club, ce qui regroupe pas mal de missions au sein du club. Il nous détaillera tout ceci un tout petit peu plus tard. Mais tout de suite, passons à notre première interview. Les voyages forment la jeunesse, tel pourrait être le slogan de ce partenaire des Louves, mais ils ont choisi voyager avec le sourire, ce qui résonne bien avec le nom de leur société. Et c'est avec le sourire également que nous avons été reçus cette semaine dans les locaux de Cheese Voyage. Je sais pas comment faire un clap. Je me présente, je m'appelle Mathieu Collin, je suis le président de Cheese Voyage. Je me présente, Céline, Commercial Group, et je m'occupe de l'activité tourisme au sein de la société. Alors, nous sommes autocaristes, basés à Corcieux, entre Saint-Dié et Gérardmer. Notre activité est composée de trois pôles. En premier, le transport des écoliers et élèves de la région, principalement sur le secteur de Gérardmer et de Bruyères. Ensuite, un deuxième pôle, tourisme en quart de grand tourisme, deux groupes en France et à l'étranger, principalement sous forme de journées organisées, circuits, sorties, concerts, parcs d'attractions et de voyages clés en main pour les associations, les comités d'entreprise, et entre autres. Et le dernier pôle, aussi important, nous avons une agence de voyage indépendante qui s'occupe de tous les voyages en avion, pour les individuels, pour les groupes. Nous travaillons aussi avec les croisiéristes, la SNCF pour tout ce qui est billets de train. N'hésitez pas à faire appel à nous. Alors je représente la quatrième génération de l'entreprise Car Ferry, qui a été créé par mon arrière-grand-père en 1920. C'est une entreprise qui a vécu donc pendant déjà 101 ans, qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, qui a connu de nombreux développements, que ce soit les lignes régulières, les lignes scolaires, l'arrivée de nouveaux moteurs avec les nouvelles normes environnementales, les nouvelles technologies. Ça fait 2 ans là où c'était un peu plus compliqué, il y a eu des appels d'offres qui ont remis en cause beaucoup de choses dans l'entreprise. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Le Covid a fait beaucoup de mal à la société, mais aujourd'hui, on voit la lumière au bout du tunnel qui s'approche et donc ça nous fait plaisir. On a la chance d'avoir un socle de clients fidèles qui nous permet de voir l'avenir plus sereinement. On peut faire un parallèle assez simple et assez rapide entre une entreprise et une équipe de sport de haut niveau comme les Louves. C'est une association d'individualités qui sont là pour servir un collectif. Et pour répondre à des objectifs communs, des objectifs que moi je fixe au niveau de mon entreprise, mais des objectifs que Manuel Dumortier et Pierre Mercier peuvent aussi donner à leur équipe. Donc au final, on se rend compte que entre l'entreprise et les Louves, il n'y a pas une grande différence. Alors moi, tout le monde va se moquer de moi. Non, je tiens à préciser que quand j'étais plus jeune, j'ai fait du volley. Alors tout le monde se moque de moi parce que je suis très petite. Mais en attendant, oui, j'ai fait du volley quand j'étais petite. Mais voilà, après, c'est un sport co, d'équipe, et puis les filles, on la gagne. Enfin, nous, ça nous inspire beaucoup et on adore toujours aller au match le samedi pour les voir gagner. Quoi. Voilà. On a décidé d'investir auprès des Louves car au-delà du sport, il y a cet esprit, comme vient de le dire Céline, qui est incontestable au niveau du club. C'est le staff qui est derrière, qui est très compétent, très motivé, qui est en plus très sympa, avec qui on s'entend très bien. Et ça nous permet de vivre aussi des grands moments dans ce palais des sports où on se rend compte que tous les samedis, c'est un peu the place to be Saint-Dié, où le match des Louves amène énormément de public. Ouais. Donc là, ça nous fait plaisir et c'est vraiment des moments qu'on aime parce qu'on les vit en famille, on les vit entre amis et c'est vraiment des beaux moments. Depuis 2019. Pierre nous avait invités un soir à aller voir un match, ou savoir si on était éventuellement intéressés pour suivre les Louves, les aider, savoir si on voulait être partenaire. Moi, ça m'a beaucoup plu, j'y suis allée, on en a parlé avec Mathieu. On est parti dans l'aventure avec les filles, avec Pierre, avec Manu, Denis, enfin voilà. On est tombé sous le charme des Louves. Oui, voilà. Et de l'esprit surtout. Oui, parce que c'est une famille quand même.
Donc le partenariat est basé sur l'organisation de leurs déplacements. Lorsqu'elles vont se déplacer vers un autre club pour jouer à l'extérieur, que j'organise en termes de réservation, leur hôtel, le car qui permet de les véhiculer jusqu'à l'aéroport ou à la gare où elles prennent le train, et tout ce qui est réservation d'hôtel, de restaurant, de tout ce dont elles ont besoin sur place afin de faire le meilleur match possible à l'extérieur. Je suis en relation avec Denis, qui me donne tous les éléments dont j'ai besoin pour que l'équipe, lorsqu'elle arrive sur place, puisse faire le match dans de bonnes conditions. Donc, c'est vrai que quelquefois, il y a quelques ajustements, parce qu'on rajoute quelqu'un hein, du staff qui vient ou pas. Le coach a une demande personnelle pour le menu des filles. Voilà, donc, on est en relation constante pour chaque déplacement. D'ailleurs, à chaque début de saison, on a une réunion de travail afin de calibrer hein, tous les voyages de la saison. Et ça, c'est un rituel, on le fait toujours en début de saison. Alors les filles, prenez du plaisir, donnez-nous du plaisir et surtout faites-nous rêver pendant cette Coupe de France. Oui, allez les filles, vous allez gagner! Nous remercions Madame Céline Sopsté, donc qui est responsable groupe et association, et ainsi que bien évidemment Monsieur Mathieu Collin, PDG de Cheese Voyage, pour leur accueil des plus ensoleillés. Et maintenant, il est l'heure de vous présenter le nouveau membre du staff de cette semaine. Pour rester dans le domaine de l'organisation, et bien évidemment il est le principal interlocuteur avec Cheese Voyage, nous allons maintenant nous pencher sur le portrait de Denis Merchez, le manager général du club. Denis Merchez, manager général du club de volley de Saint-Dié. Donc je viens de Tourcoing à la base, voilà, j'ai vécu toute ma jeunesse à Tourcoing jusqu'à mes 20 ans. J'ai eu la chance d'intégrer le pôle au niveau de Wattini en volley pendant les années lycée, ce qui m'a permis de devenir professionnel ensuite comme joueur. Et en parallèle, donc j'ai fait mes études à la faculté des sciences du sport de Lille, voilà, où j'ai eu une maîtrise TAPS. Alors j'ai fait énormément de gym quand j'étais jeune, de 3 ans à 12 ans. Et puis j'ai voulu voir d'autres choses à partir de 12 ans. Et j'ai eu la chance d'avoir un papa, que j'ai toujours d'ailleurs, qui était journaliste sportif et chef du service des sports dans un quotidien local. Donc qui m'a fait voir un petit peu tous les sports existants aux alentours de Lille. Et voilà, et j'ai aimé le volley et je me suis mis grâce à ça. Donc après un carrière de joueur, je suis devenu entraîneur dans plusieurs clubs en élite, où c'est des contrats pro qui durent 2 à 3 ans souvent. Et j'ai cherché un club où ils cherchaient un profil plus en CDI, un profil plus stable, donc plus de manager que d'entraîneur professionnel. Et Saint-Dié cherchait à la même époque quelqu'un, donc voilà, on s'est entendu et depuis 2012, je suis là. Oui, alors quand je suis arrivé, c'était un club qui avait pas du tout l'envergure qu'il a maintenant. Donc les filles étaient en pré-national, les garçons montent en national 3. J'avais déjà ce statut, mais j'étais seul employé du club. Et je gérais déjà un petit peu tout, mais c'était un peu moins pointu que maintenant, on va dire. Alors au niveau de l'équipe 1, je gère tout ce qui est déplacement. Alors, en fait, je m'occupe de tout ce qui est sportif. En gros, mon boulot, c'est de veiller à la bonne marche du club en général. Gérer les licences, gérer les déplacements des jeunes, gérer les entraîneurs, m'assurer que tout fonctionne bien pour tous les week-ends, qu'il n'y ait aucun souci, que ce soit au niveau sportif ou extra-sportif. Et avec les Louves, ouais, les mêmes fonctions. Et puis bon, je suis essentiellement aussi correspondant du club, c'est-à-dire que tout ce qui est calendrier à gérer, changement de date, c'est aussi moi qui gère tout ça. Je dois être au courant de tout ce qui se passe au club, voilà, du plus petit échelon au plus haut. Tout passe normalement par moi pour que tout se passe au mieux, voilà, que j'ai un petit œil sur tout. Et effectivement, là, je travaille en assez étroite collaboration avec Pierre. Alors on a une équipe cette année plus compétitive je pense que l'an dernier. On est un peu meilleur à tous les postes. À la passe, on a encore monté d'un cran. On a réussi à stabiliser la réception avec l'arrivée de Julie aussi, ce qu'on n'avait pas l'an dernier. Pour le reste du groupe, c'est un groupe compétitif.
je leur souhaite une victoire parce que c'est un des objectifs du président, c'est d'aller le plus loin possible en Coupe de France professionnelle et de pouvoir faire une belle affiche au JC, c'est un peu ça l'idée au départ. Donc c'est une équipe Quimper qu'on va rencontrer la semaine suivante en championnat, donc c'est un peu spécial. Maintenant les règles sont différentes en Coupe de France, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aligner trois joueuses françaises sur le terrain, contrairement en championnat. Donc ça peut changer la physionomie du match avec des équipes qui normalement ne peuvent pas jouer en championnat. Je souhaite la victoire et qu'on puisse accueillir une équipe de pro chez nous le 14 décembre. Quelques petits détails à ajouter qui ont leur importance, c'est au-delà de son statut de manager général, Denis est aussi également entraîneur des catégories de jeunes. Il s'occupe avec Kevin Caudal de l'école de volley, il entraîne également les M13 garçons, les M15 et M18 filles, également en équipe senior la régionale garçon. Il s'occupe aussi de la classe sportive avec le collège de Souhait. Et auparavant, il était mis à disposition du club pour le service des sports de la ville. Et à partir de ce début de saison, il se concentre un tout petit peu plus sur les actions de développement auprès des écoles de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges avec la découverte et l'initiation au volleyball. Nous allons maintenant passer à l'actualité de la semaine. La semaine dernière, les vacances de la Toussaint se sont terminées et elles ont été plus que studieuses pour les jeunes licenciés du club qui ont eu la possibilité de s'entraîner 2 à 3 fois par semaine. Nous avons également organisé notre traditionnel stage ludique, stage qui regroupe une quarantaine d'enfants avec un format des plus agréables. Ils ont alterné séances de volley et sorties annexes. Les sorties annexes se sont faites chez nos partenaires avec mercredi après-midi partie de bowling et de laser game à Nova Bowling et le stage était terminé le vendredi après-midi par une sortie piscine chez notre partenaire Aquanova America. En ce qui concerne les Louves, retour au Mastic pour les joueuses qui, quant à elles, préparent leur prochaine échéance qui sera le premier tour de Coupe de France ce samedi face à Quimper. Nous pouvons passer maintenant aux résultats des différentes équipes lors des matchs qui se sont déroulés ce week-end. Donc plusieurs rencontres se sont déroulées ce week-end avec dès samedi soir la pré-nationale fille qui était opposée à l'équipe de Moulins. Malheureusement, les coéquipières de Susanna Opatowska se sont inclinées face à Moulins sur le plus petit des scores avec une défaite 3-7-2 et 16-14 au tie-break. Donc ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Également dimanche, le deuxième tour de Coupe de France pour les M15 filles. Alors belle histoire pour les M15 filles car elles se sont vues repêcher au premier tour avec leur entre guillemets belle défaite qui leur a permis d'être classée meilleure troisième et de participer à ce deuxième tour. Et c'était une bonne chose car elles ont réussi à se qualifier une nouvelle fois avec leur victoire face à Mézières-les-Metz sur le score de 2-7-0. Et malgré la défaite contre le VNVB 2-7-1, elles continuent leur histoire au niveau de la Coupe de France. Comme vous avez pu suivre sur nos réseaux sociaux, les Louves se sont donc imposées à domicile face à l'AS Monaco. Elles confirment leur bonne forme actuelle avec cette quatrième victoire de suite. Emmanuel Dumortier, le coach de l'équipe, nous donne ses impressions d'après-match et ça sera suivi avec l'interview d'Azaria Stahl, pointue et joueuse mise en avant le week-end dernier. Donc c'est moi qui ai l'honneur et la joie de t'interviewer ce soir. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ce match? J'avais demandé aux filles d'être très sérieuses, de ne pas avoir comme prétexte que Monaco était déforcé avec une seule centrale sur le terrain pour se relâcher. Elles ont très bien fait le travail jusqu'au bout, voilà, il fallait rester concentré. On savait que si on jouait à notre niveau, ce match-là était pour nous et c'est ce qui s'est passé ce soir. Ok, ce match t'a permis de faire un petit peu tourner ton banc, on voit que toutes les filles ont eu du temps de jeu. Est-ce que c'était prévu d'avance ou c'est l'occasion qui a fait le larron? Alors, avant l'IFVB, j'avais dit justement si on a de la marge, on va faire tourner. Et ça s'était pas vraiment bien passé quand les entrantes étaient venues et pas nécessairement de leur faute. Là, j'avais pas demandé, mais j'ai pu le faire. Donc, je suis très heureux d'avoir pu donner du temps de jeu à Maëlle, de donner du temps de jeu un peu à Kandiaba, même si elle en a eu beaucoup depuis le début de saison. Il fallait qu'elle reste un peu dans le rythme. Et je suis content parce que Asie était un peu dans le dur cette semaine et puis comme ça elle va reprendre un peu confiance. Et ça
justifie notre politique de recrutement, avoir une équipe avec 9 ou 10 joueuses capables de jouer, c'est une très bonne chose. Un bon match, assez rapide, une victoire 3-0. Nous devions assurer la victoire, nous sommes arrivés dans ce match en espérant gagner et nous l'avons fait. Je pense qu'on a fait du bon travail en gérant tous ces petits détails qui nous ont donné la victoire. Ok, c'est super, on a vu que ce soir Manu a pu faire tourner un petit peu le banc, tout le monde a eu du temps de jeu, est-ce que c'était prévu comme ça d'avance ou c'était l'occasion pendant le match? Oui, Manu insiste sur le fait qu'il veut que tout le monde puisse arriver à n'importe quel moment et être capable de jouer comme les autres. Je pense que c'est très important que nous nous adaptions à l'équipe. Donc si une personne n'est pas forcément au top du jeu ou s'il veut juste changer de joueuse, nous avons des filles qui peuvent venir jouer et faire le travail aussi bien que les autres. Ok, merci Azaria et puis félicitations pour ce match. Cette quatrième victoire de suite donc qui permet aux Louves d'intégrer le top 3 de leur division élite. Et au-delà des individualités qu'on vous a présentées en début de saison, on voit vraiment le fruit du travail collectif que Manu Dumortier met en place avec ses filles et qui laisse démontrer un énorme potentiel encore à avoir pour cette équipe des Louves. Nous allons maintenant passer au programme de la semaine prochaine. Pour le programme du week-end prochain, nous allons commencer avec les catégories de jeunes. Les M15 filles se rendront à Pont-à-Mousson, où elles seront opposées à Pont-à-Mousson et au Cam Épinal. Les M15 garçons, quant à eux, se rendront à Chaumont, où ils en découdront avec leur hôte, ainsi qu'un match contre le Sacé Épinal. La régionale garçon, samedi soir, se rendra à Creutzwald, et seront opposées à la réserve du volley club Creutzwald. Les pré-nationales filles, elles, seront également en déplacement à Mézières-lès-Metz. Dimanche après-midi, nous aurons participation de notre équipe M13 filles à leur deuxième tour de Coupe de France. Elles seront à Mézières-lès-Metz, seront opposées à Chaumont et également à Mézières-lès-Metz. Samedi soir, les Louves joueront quant à elles contre Quimper au Palais Omnisports Joseph Claudel pour cette phase qualificative à la Coupe de France professionnelle. Nous leur souhaitons de continuer dans leur dynamique avec une cinquième victoire de suite. Le coup d'envoi sera donné à 19h comme d'habitude, avec ouverture des portes à partir de 18h. Ce match sera bien évidemment retransmis en simultané sur la chaîne YouTube et notre page Facebook, avec nos prestataires Prestatech Événements. Ce numéro 8 de l'émission est désormais fini. Pour suivre toute l'actualité des Louves et du club, abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux, dont le lien s'affiche en bas de votre écran. Et n'oubliez pas, bien évidemment, la petite clochette sur YouTube pour recevoir toutes les notifications de nos directs. Merci à vous de nous avoir à nouveau suivis. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée et nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro des Louves, la Web TV. Bonne soirée à vous et à bientôt.